Ici, mes amis, rassemblez-vous autour de cette lumière réparatrice.
brigade nous attaque. Attention aux pierres tourbillonnantes. Je connais cette épée. Elle appartenait à Killaran.
Rangers sont venus ici auparavant et ont laissé des objets. Réfugiez-vous ici! Je vais nous protéger de leurs flèches et de la foudre! Thank you.
Je ne suis pas.
Luin. Il est en vie. Vous m'entendez, Luin? Réveillez-vous. Aucune force ne peut dominer cette maladie. Quelle utilité ont les épées face à ce fléau? Quoi? Au nom de... Eradan? Oui, c'est moi, mon ami. J'étais en train de rêver. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ces Galgals? Je me souviens que nous avancions rapidement dans les Galgals, impatients de retrouver nos amis. Mais le brouillard a commencé à se lever, et il est devenu difficile pour nous de trouver notre chemin. Nous avons commencé à entendre des voix nous appeler, comme si elles étaient au loin, ou sous terre. Et là, les morts étaient tout autour de nous. Nous les avons combattus, mais j'ai ressenti la présence de quelque chose d'autre. Quelque chose de plus fort, de plus diabolique. J'ai vu une ombre s'emparer de Killaran et il a perdu connaissance. Puis, elle est venue vers moi. C'est tout ce dont je me souviens. Mais, si j'ai été amené vivant dans cette tombe, il en est peut-être de même pour Killaran. Nous devons le retrouver. C'est ce que nous avons l'intention de faire. Vous sentez-vous en état de nous rejoindre? Oui. Je pense que je peux continuer avec vous. Allons-y, avant que d'autres morts vivants décident de se montrer. C'est Killaran! Ah,
Que lui est-il arrivé? Ranger, écoutez-moi! L'être des Galgal le comprend! Défendez-vous! Nous devons l'abattre! C'est un ami! Je ne peux pas! L'homme que vous connaissiez est mort! Ce n'est qu'un tour cruel! Défendez-vous! Et maintenant, Ranger! Thank you.
retournons. C'est une dure épreuve de voir un bon ami vaincu. Il est encore plus dur de voir ses restes désacralisés de cette manière. Au moins, il repose en paix désormais. Mais vous, vous tenez le coup. D'abord les cavaliers noirs, et maintenant les êtres des Galgal. C'est bien plus que ce que devraient affronter les hommes. Mais où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci de vous inquiéter, mais je vais m'en sortir. Au nom de ceux qui sont tombés, je dois continuer du mieux que je peux. Vous avez subi une terrible épreuve. Vous devriez peut-être venir avec nous à Foncombe. Nous pouvons aussi vous emmener à Bray, ce n'est pas loin. Non. Je sens que j'en prends des forces. Quand j'aurai retrouvé toutes mes capacités, j'emmènerai le corps de Kilaran loin de ces tombes maudites. Il doit être enterré avec ses frères qui sont tombés au gué de Sarn. Cela devrait faire l'affaire. J'espère qu'il reposera en paix. Adieu, Luin.